Et salut à tous, c'est Zirlix, et bienvenue sur The Evil Within 2 en compagnie de Master Sparda. Salut, salut. En fait, il est tellement pressé de jouer qu'il a même pas attendu que je fasse l'intro, donc il a directement lancé le jeu, donc désolé, vous aurez ce que vous aurez. Ouais, d'abord. Et nous retrouvons notre détective favori, The Dave BZ. Il faut dire en fait pour l'histoire qu'on a un collègue qui ressemble à Sébastien Castellier. Mon dieu, Lily. Ta fille s'appelle Lily. Alors, t'as fait le 1 en entier, toi. En entier, ouais. Que peux-tu nous dire sur le 1? Bordel. Il était pas si mal, mais bon, le niveau de jouabilité, c'était pas... Lily, je suis là! Où es-tu? D'accord. Elle est là-haut. Faut dire aussi que le gameplay de l'outil est tellement dépassé. Mais bon. Ça, c'est pas vrai. Attends, je suis désolé, tu préfères quoi? Te taper le 2 ou le 1 là de suite? Parce que je peux très bien te mettre le 1, moi, y'a pas de soucis. Quelle chose a pu arriver? Oh, je l'ai refait y'a pas longtemps, donc Ouais, à part l'histoire qui était bien, le gameplay m'intéressait pas du tout. J'arrive, Lily. On commence directement par le 2. Bon. Que cela ne vous en déplaise. Je suis là, Lily. Je suis là. Il est là, Lily. Lily. Viens, ma chérie. Lily. Où es-tu? Je suis là. Papa est là. Tu n'étais pas là pour moi, papa. Oh, comme elle est mignonne. T'imagines, ta gamine, elle te fait ça, quoi. Bon, je préfère pas. Papa, non. Je t'aime, brûle avec moi. Non, je vais dire que ça, c'est mort. On va super bien, je trouve. Ressemble à la petite fille de Freddy Krueger, mais bon. De suite. T'as vu, il y a le Men in Black au contraire, en plus. Putain, c'est con, mais. J'y trouve rien à dire dans ce jeu, c'est chiant. D'habitude, je suis bourré de conneries. Mais il faut dire que celui-là m'intéresse vraiment. Ça fait 3 putains d'années que je vous cherche. Et vous pensiez que je me cachais au fond d'une bouteille? C'est ça? Et qu'est-ce que vous foutez là, bordel? Vous ne m'avez pas trouvé parce qu'il vous en empêchait. Du calme, Sébastien. Vous saviez ce qui allait se passer dans cet hôpital, pas vrai? L'incident de Beacon fait partie du passé. Il faut l'oublier. Kidman ressemble comme ça. Si ils m'ont obligé à consulter. Ouais. Il n'avait pas la moindre réponse. Vous aussi. Perso, je le trouve mieux là-dedans. Vous allez tout dire. Ah bah, ça fait 3 ans depuis le de Mobius. Ils ont changé un petit peu les. Amélioré un petit peu les personnages. Quand même. Bethesda. Je me demande s'ils vont utiliser le moniteur graphique Fallout 4. Que là, ça risque de donner des moments très sympathiques dans le jeu. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Lily est toujours en vie. Quoi? Faudrait demander à Dave BZ de Lily faire les doublages de Sébastien Castellini. J'ai lu le rapport d'enquête. Ah, on l'a enterré. Et leur lumière n'est plus d'autre mort. Simuler une mort n'a rien de sorcier. Pourquoi je sortirais de ma cachette juste pour vous mentir? Lily est bien vivante. Et elle est avec vous. Mais elle est en danger. On a besoin de votre aide pour la sauver.
Perso, moi j'ai une grandesse comme ça qui vient me dire que ma fille qui est soi-disant morte dans un incendie. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Une machine, elle prend la balle. C'est clair. Direct. Sale patte. Mais il fait une bonne chose. J'espérais que vous me suivriez gentiment, Sébastien. Mais on n'a pas le temps pour ces conneries. On a besoin de vous. Lily a besoin de vous. J'imagine Smith, mais avec les qualités de ces deux types. Dans Matrix. Neo, il est le roi, c'est clair. Ah, le passage le plus important du jeu, quand même. Vous êtes réveillé. Bien. Ouais, c'est ça, bien. Pense à notre joystick dans la... Où est-ce qu'on est? Vous êtes dans une de nos installations. Plus bas. Alors c'est ça, la grande organisation Mobius. Voilà. Attention à ce que vous dites. Pervers. Le seul point intéressant de tout le jeu. Je suis désolé, quoi. J'ai vu ça tout à l'heure, mais j'ai niqué d'accord. Ça trop. Au moins, vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. Je me demande s'il y a une affiliation avec la même brèle à quoi. Où est Lily? Patience. Je sais pas. Parce qu'ils sont ensuite tordus d'un coup. Enfin, Et ça, c'est le futur du l'hôpital psychiatrique. Ouais. Beacon était. On sera dans une baignoire pour contre-temps, malencontre. Bah, pas besoin de te doucher parce que mais nous avons directement. Si tu as envie de chier et pisser, ça coulera directement dans l'évacuation. Nickel. Plus élaboré. Sauf si tu t'appelles Dorminos, là, c'est dangereux. Qu'est-ce que tout ça a à voir avec ma fille? Imaginez des millions d'esprits connectés les uns aux autres. As-tu fait la série des Half-Life? Pas du tout. Le bonheur d'un individu fait, Half-Life 2, fait le bonheur de tous. Freeman, un type très intelligent qui... Cette machine, disant, ce ultra diplômé, miracle, qui biche, permettra à notre espèce d'atteindre. Il y a un type comme ça qui te suit tout le long du jeu. Quasiment, on appelle ça le G-man. Nous avions besoin d'un esprit pur et suffisamment sain pour supporter le poids de milliers de personnalités différentes. L'esprit d'un enfant innocent. Vous avez connecté Lily à cette machine? Votre fille est très spéciale. C'est la candidate la plus adaptée au noyau que nous ayons trouvé. D'après ce que j'ai compris, c'est le grand patron de... Grâce à elle, le nouveau STEM a été un succès retentissant. Enfin, jusqu'à peu. Il y a un peu plus d'une semaine, Lily a disparu. Elle a cessé d'émettre des signaux. C'est alors que l'environnement du STEM a commencé à s'effondrer. Nous pensions que ce n'était qu'un problème technique, facile à réparer. Alors nous avons envoyé une équipe de Mobius à l'intérieur. Mais nous avons perdu contact avec nos agents. Le STEM ne répond plus. Réfléchissez, monsieur Castellanos. Je vous offre une opportunité. Alors pour ceux qui ont vous fait pouvez le non seulement revoir votre que fille, qu'il m'a sauvé sa vie. Était une infiltrée qui travaillait en là fait où vous pensiez avoir échoué là, il y a on bien voit longtemps. Ce grand monsieur que dans le DLC tu vois pas sa tête. C'est vous juste un la mec sauver. Noir. Tu vois pas vous sa gueule, c'est pas à quoi il ressemble. Ouais, c'est un peu comme l'homme mystérieux de Mass Effect. Il a constamment une main dans la poche comme ça, donc je pense que c'est lui. Mais il a pas la même voix que dans le 1. Bonne chance, Sébastien. Et s'il vous plaît, essayez de coopérer avec les agents que vous trouverez. Je sais que vous nous faites pas confiance, mais ils veulent la même chose que vous. Ça va aller. Je n'ai pas besoin d'aide. Souvenez-vous, vous devez me contacter dès que vous trouverez Lily, pour que nous puissions commencer l'extraction. Je serai là pour vous. Et quelqu'un d'autre sera à l'intérieur pour vous. Vous êtes prêts ? Je vais devoir couper mon téléphone. Soyez prudent, Sébastien. On compte sur vous.
Entrez dans le stand dans 3, 2, 1. T'imagines quand même que ça c'est le putain de baignoire. Mm-hmm. Et ce qu'on fait, c'est de plonger dans une baignoire. Ouais, il n'y a pas de vent en fait. T'es en train de tomber et d'un coup tu t'arrêtes sec. Heureusement que c'est pas dans la réalité parce que t'as le mec qui explose. Oh, il t'arrête sec. C'est fini. Donc le méchant dedans, ou le mal dedans. Mm-hmm. Ou Lord Minos en toi. Alors. Est-ce que c'est. Voilà, vous voyez tout le jeu, hein, c'est qu'un écran noir. Voilà, il y a des objets qui apparaissent parfois. Mais c'est rare, hein. Faut être chanceux. Quand il fait des cauchemars, c'est pas Max Payne. Mira, je sais que c'est difficile à accepter. Max Payne, au moins, tu vois, il a juste sa baraque. Non, lui, il crée carrément une ville dans ses cauchemars. Je n'accepterai jamais ça. Si tu refuses de m'aider, alors je découvrirai la vérité toute seule. Merde, c'est quoi cet endroit ? Non, merci. Inspecteur, on a un appel. Hôpital Beacon. Wow. Dans mon esprit, ça avait pas fait ça, moi. Dès que t'as eu la lumière, que t'as ébloui la première fois, en fait, j'ai été balancé directement là. D'accord. Alors, j'ai pas fait gaffe, mais ça m'étonnerait, quoi. Ça se trouve, j'ai raté la première, le premier barrage de lumière. Qu'est-ce que c'est ? Comme on le disait avec Redbone, je serais capable de crever au premier mec que je croise, donc... Kidman. Qu'est-ce qui... Reprenez-vous. Vous êtes en un seul morceau. Comment vous sentez-vous ? Au fond du caniveau. Comme la pire gueule de bois du monde. Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux quand votre... Franchement, la gamine, elle dessine mal, elle pourrait faire moins des efforts. Ça nous permet de rester en contact. C'est scandaleux. Cette structure est votre salle. C'est une zone sécurisée créée à partir de vos souvenirs. Mes souvenirs, hein ? De Dave Bezel. Alors où est ma Detective famille Inc. On dirait mon ouais. Ancien bureau au commissariat de Crimson City. Après Edward Carnby, The Dave Bezel. C'est n'importe quel rôle. Franchement, il a trop la gueule, quoi. Excusez-nous, mais on insiste. Bon, voilà. Ouais, il s'est coupé les cheveux, mais s'il laisse pousser, ça pourrait ressembler à ça. Attends, il se laisse pousser la barbe. Il s'habille pareil. Tu lui mets la même coupe de cheveux, c'est lui. C'est clair. L'équipe que vous avez perdue, je suppose. Exact. Tenez-nous au courant si vous trouvez l'un d'entre eux. Vous êtes notre seul moyen de communiquer dans le système. Ils sont bloqués dans Union. Eux aussi, ils cherchent Lily. Union. Cet environnement du système a été conçu pour simuler l'aspect et l'atmosphère... Mobius, putain, ça y est. Depuis tout à l'heure, je cherchais pourquoi j'avais ce nom en tête. Mobius, c'est la planète où habite Sonic le Hérisson. C'est gentil de me faire confiance, mais je ne suis là que pour trouver... Sauf que là, on ne croisera pas Sonic, je crois. Et il y a aussi l'histoire du ruban de Mobius. Faut pas chercher. Baker, je cherche pas. Chef d'équipe. C'est un ruban en fait. Il n'a pas de début ni de fin. D'accord. Le chiffre est fini, enfin, le symbole est fini. Harrison, spécialiste du combat. Il devrait préparation d'équipement lourd. Comme les Vades à Lord Minos. O'Neill. Il devait pas s'attendre à des problèmes pour envoyer autant de techniciens. Moi, je suis sûr que c'est Liam O'Neill qui a tout manigancé depuis le début. Sykes. Il a une belle tête de gagnant. Mais au moins, il sait se servir d'arme de poing.
Hoffman. Psychologie et surveillance. Nico Hoffman. Celle-là, je ferais bien de m'en méfier. La grande Z de Matt Hoffman. Tout le monde le sait. Lily, votre équipe, et maintenant moi. Nous sommes tous prisonniers du système. C'est marrant, ils ont traduit le jeu en français avec les voix en français, mais ils n'ont pas mis les milieux en français. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, en gros, là, elle fait 5,4 pieds. D'où. En gros, je dirais 1m60, 1m70. Magnifique. Peut-être plus bas. Mobus a vraiment des plans de secours bien huilés. Il fait 110 lbs. Je sais pas à quoi ça correspond. Sinon, elle mourra. Comme vous. Et comme tout. J'aurais pas à parier que ça fait dans les 60 kilos. Bon, c'est bon, c'est toi. J'avais plein mon cul. On a tous marre de voir ce. Je me rappelle pas avoir ce chat drogué, quoi. Regardez-moi les yeux qu'il se paye. Ah, j'aimerais avoir un chat noir avec les yeux rouges. Et tu vois pas qu'il est sous en fait le mec, quoi. S'il te plaît, il te ramène des trucs, quoi. J'appelle un Sparda direct. Primaire. Ah, c'est le chat qui te permettait de sauvegarder dans le DLC du premier, quand tu jouais avec la femme. D'accord. Avec Kidman, ça. C'est ça. C'est pas ce qu'il fout là en fait. Petite photo de famille. Ah, t'es comme ça, tu parles pas à Kidman toi. Ah non, pas envie de parler. De toute façon, on sait tous. C'était la méchante du jeu. Comme un beacon. Ça doit être la sortie. Je pourrais la sauvegarde qui va bien. Normal dans mes souvenirs. Pas la peine de sauvegarder. Non, vas-y. T'es comme moi, va. Sauvegarde que quand tu t'en rappelleras. T'es gars d'abord. Miroir. Mais il faut laisser appuyer. J'aime pas quand tu dois. Mais bon, là, il faut laisser appuyer. J'aime pas laisser appuyer mon bouton sans arrêt pour rien, quoi. Heureusement que c'est pas un temps de chargement. Ouais, j'ai adoré par contre le temps de chargement de ça. Ouais, vous verrez plus tard. Oh non! Lily, qu'est-ce qui va? Et ça, tu vois, c'est ce que j'appelle un début à la Fallout. Tout va bien dans une baraque tranquille. Puis tout se met à dégringoler. Ouais, c'est pas marrant, c'est pas ça. Grave. Maman peut la réparer. Maman peut tout réparer. T'inquiète pas, gamine. Ta mère va tout faire, comme d'habitude, la vaisselle, les corvées, le ménage, et réparer ta putain de poupée. Et voilà. Maintenant, va jouer avec le four micro-ondes. Va mettre un couteau dans le grille-pain. Et ta fourchette, là, voilà, tu retires les deux dents du milieu et tu les mets dans les prises. J'ai une famille. Et après, on dit que c'est un père indigne. Une femme incroyablement belle et intelligente. Pourquoi ça n'irait pas? Il est fatigué, monsieur. Il transpire et tout, quoi. Viens là, Mira. Là, en fait, il la tire vers lui, il met un putain de coup de boue. Tu sais, tu travailles beaucoup trop. Oh, mon café. Tu en perds la tête. Je t'aurais dit de me le préparer. T'es sûr que tu n'as pas quelque chose? Alors ça, c'est ballot. C'est le bon endroit. Nous y voici, nous y voilà. Quoi, t'as juste vu une porte et ça y est. Eh oui, regarde. Hop là, j'ai ouvert la porte. Qu'est-ce qui... N'empêche, très sympa les dégâts. Ouais, c'est... Ouais. Ça doit coûter une blende à entretenir, mais très sympa. Je crois qu'ils font le ménage dans des univers comme ça, quoi. Ah, je l'ai plein, les pauvres. J'imagine les mecs. Bon, vas-y, déroule le rideau, il faut que je l'aspire. William Baker. Non, c'était Parker dans le set. Non, ça. Baker. Ah oui, c'est Baker. Hey. Oui. Il y a de la Umbrella Corporation quelque part, moi, je te le dis. Ça pue du fiel.
Si on voit un type qui s'appelle Spencer ou Redfield, c'est bon, c'est fini. C'est mort. Et il y a Wesker qui est pas loin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Par contre, c'est clairement inspiré de Matrix. C'est l'un des membres de l'équipe de sauvetage. Baker. T'as vu la balle là-haut? Où c'est? Là-haut, le petit point là. Ah. Il y a tellement de morceaux. Après, c'est du superflu. Là, tu vois bien la cervelle qui s'évade. Il y a un truc pratique avec ça, c'est qu'au moins ça salit pas. Ouais, t'as le temps de tout ramasser avant que ça touche le sol. C'est ça. Une chambre noire pour ceux qui savent pas ce que c'est, bien sûr. Celui qui a fait ça a bien pris son pied. Et ceux qui me font le truc du style, ouais, mais c'est rouge, ils en prennent une, automatiquement. J'ai bien fait de pas la faire. Crade. J'ai le même. Je me suis rasé ce matin, j'avais foutu de partout. Ça sert à quoi d'avoir un appart s'il n'y a rien dedans, quoi? Littéralement, sinon, je compte pas les bouquins, la salle noire et le type au milieu en train de voler. Comme étant des meubles, excuse-moi. Eh ben, ça fait des économies. Même tu dors dans la bulle avec le type qui vole. Bah ouais, en apesanteur. Oh, il a encore chaud. T'as le téléphone qui sonne en fait. Ah. Qui êtes-vous? Qui voulez-vous? Ned. Y'a quelqu'un? Je vais faire le doublage. Oui, voilà, j'aimerais commander une 4 fromages. On en a plus, accroche. Je sais pas quel type de bâtiment c'est, mais vas-y, mets-toi à côté de la balustrade. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as vu? Non, non, juste. Mets-toi juste à côté de la première marche, voilà, regarde. La bouge plus. Descends un peu. Voilà. Ton épaule est à la hauteur de la balustrade. Au moins tu peux te rattraper. Je veux pas dire, mais cette balustrade, elle t'empêchera de tomber même si tu fais 2 mètres, parce que il faudrait déjà la franchir. Oh, si le bois il est moisi. Merde! Disparition. Qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est la première ex de Lord Minos. Les dossiers. Montre-nous comme tu lis bien. Félicitations, chercheur de vérité. Merci d'avoir participé à notre test d'acuité spirituelle. Nous sommes ravis de vous faire passer au niveau de connaissance suivant. Veuillez vous rendre au centre MU avec cette lettre pour passer de candidat en probation à fidèle de MU. Cette lettre vous accorde également une bonne place pour la prochaine cérémonie de purification. Par le feu. J'ai toujours que ça finisse avec un feu. Toujours. Notre manuscrit au dos de l'enveloppe. Mensonges, rien que des mensonges. Fidèle de MU. Serait-ce un rapport avec le chevalier du Zodiac? Je sais pas. Ou alors le continent de Mu. Mais bon, ça saute. Petit fauteuil. Les petits fauteuils qui va bien. C'est fréquent ça. Il a disparu. Disparition. Un perso de Super Dragon Ball.
Ah oui, il faut dire que Master Spar 2 ne connaît pas les manettes de 360 a priori. Si, je connais, mais ça fait des lustres que j'ai pas touché. En fait, tu peux rester en mode couverture en laissant appuyer le bouton. Le... Oh putain. En laissant appuyer le bouton. RB. Et tu vas te mettre automatiquement en couverture. Et tu vas rester collé en fait en le laissant appuyer. D'accord. Sinon, il va se détacher automatiquement. Merci. R3. R3. Ah oui. Ah, parce que c'est pas les mêmes touches que dans le 1, faut le dire aussi. Comme l'agent de Mobius. Alors là, tu vois, il y a le pancréas là-bas. On peut l'apercevoir. Il s'est fait. Oh, bonjour. La plus grande question que je me pose en voyant ça, c'est est-ce qu'il souffre en boucle? Ouh, peut-être. Là, tu opères. Master Spardai, serrure coup. Il faut que je trouve un moyen de sortir de là. Vous avez besoin d'un serrurier appelé Master Sparda. Il ouvre toutes vos portes. Pour la maudite somme de 300 euros. J'ai bien dit toutes. Wow. Qui c'est qui vient m'envahir mon écran là? Casse-toi en tech. Ah. Tu as perdu la tête. Je l'ai jamais eu ça. Vous êtes pas cool les mecs. C'est pas gentil. Au moins le gameplay change. Ouais. Ah. La TP ça doit vraiment être pratique. Oh oui. Quand j'ai fait mes tests, dans ce passage là en fait j'avais des pads derrière moi. D'accord. Pas à chier, c'est quand même joli. Cordel. Crade, mais joli. De toute beauté. Renaissance. Fousille le feu. Purification. Purification par les flammes. Hein? Une rose? Ouais. Ça change des coups de cervelle. Oui. Je suis pas sûr que les cadavres soient d'accord avec toi, mais. Ah, ça doit gratter les racines. The Evil Within 2. Vous en aurez peur. Peut-être. Peut-être. Mais c'est pas sourd. Faites-le dans le noir, à mon avis, ça doit pas être la même. J'avais pas une lumière? Ah oui, c'est vrai. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la même touche que dans les mêmes touches que dans le 1. Un snail. Sympathique. Ah, il a bougé, tu peux le buter. Le feu. Attends. Vas-y, regarde les gens, j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Ah, mais c'est tous des gonzesses en fait. Des gonzesses, je sais pas, mais c'est pas des mannequins. Bah, elles ont toutes les règles, donc. Oh. C'est dégueulasse. Jeez. Oh, merde. Ouais. Il pourrait au moins demander la permission, quoi. Ouais, droit d'image. Inspecteur, quand même. C'est quoi ce bordel? Ouh, elle avait un sale sourire. C'est bien ce que je disais. Ouais. Une ex à toi? Non.
ensuite. Juste que je me souvienne de la qualité de tout ça. Perso, courir comme il fait, je pourrais jamais. Ça c'est clair, c'est me courir en pick and spin pendant que je tourne la tête, c'est sûr que je me mange un truc. Merde, je suis pris au piège. Cache-toi dans la ventilation, elle te retrouvera jamais. Perso, j'essaie de faire ce qu'il fait, la trappe elle se casse la gueule. Perso, je prends même pas la pêche, vas-y, c'est bon, bute-moi. Putain, c'est quoi cette horreur? Une ex à Lord Minos. C'est comme. Ah non, c'est direct. C'était direct. Ça se passe. Si on part du principe qu'on est dans le cerveau d'une gamine, parce que c'est littéralement le truc, hein. Ouais. Elle imagine de drôles de choses, Canin. Oui, légèrement toc toc. Ouais. Bon, je l'entends plus. C'est toujours un bon signe, ça, de jamais entendre les ennemis. C'est pas vrai. Un long couloir avec une porte qui est au bout, tu dois se faire un stream. C'est clair. C'est un piège! Cache-toi! Ah, t'as pas vu le QTE? Bah non! T'es mauvais! Eh, c'est hyper bien ça! Sacré paire de gens, en fait. Hein? Je sais pas laquelle tu parlais, mais ouais! Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai beaucoup d'idées, mais je suis pas sûr qu'elles te plaisent. À mon avis, et c'est mon quoi, cher Sébastien, ta petite gamine a mal évolué dans la vie. Je pense qu'elle a souffert d'abandon parental. Elle t'avait fait quoi cette porte? Je déteste les portes. Non mais t'avais fait quoi cette porte là? Mais toutes les portes me font chier. Regarde. Oh. Hop là. Ah merde, pas plus celle-là. Ah, ça m'a gâché le jeu. J'ai arrêté de jouer. T'es allé le voir sous le livre. Bah la première fois que j'avais testé le jeu, j'étais arrivé jusque là. Et j'avais remarqué le flingue sous le bouquin, mais tu pouvais pas interagir tant que t'avais pas essayé de franchir la porte. Ok. Le truc qui est juste à peine expliqué, quoi. T'es obligé de le prendre. Lily, j'espère que tu es là. Non, non. Non. Hein? J'adore papa. J'aime papa. Ou je t'aime papa. Mais pas maman, hein, surtout pas. Ah oui, non, pas maman. Maman, c'est alors... une grosse conne, de toute façon. Elle me brûlait avec des mégots de cigares. Je sais pas. Puis quand elle lui demandait de recoudre mes vêtements, c'est moi qu'elle recoudait. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses. Ah, fait chier, c'est un deuxième beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué? Ah putain, j'ai plus de feuilles. Tu vas pas pouvoir te rouler les cigarettes. Nous avançons en aveugle. Baker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Ouais, c'est ça. Ça y est. T'as vu, regarde. Je persiste à dire qu'il y a une connexion avec Resident Evil. Parce que dans le 1, je me rappelle pas qu'il y avait des herbes comme ça à ramasser. Quoi. Ah bon? Ouais. Le dernier sanglier a eu raison de l'ordinateur. M'abandonner là, à pourrir.
Attends, c'est presque une golf. presque. Petite golf une. Vous inquiétez pas, Sébastien. Et hop, normalement t'as plus d'endurance d'après les critères du jeu. Ouais. Ouais. Là, tu cours vraiment un peu trop tranquille. Pour 5 secondes dans le 1, t'es par terre, tu craches. Elle vient de sortir du décor. C'est peut-être aller faire ses besoins, je sais pas. Elle est littéralement sortie du décor. L'effet de la chemise mouillée et tout, c'est... Il y a mieux, mais c'est déjà pas mal. Il y a quelqu'un ? Doit manger. Finis ton assiette. Je sais pas ce que c'est, mais ça a pas l'air délicieux. La peau sur les os. Il a pas l'air bien le petit là. Vu la gueule qu'il fait, à mon avis, il a plus d'estomac. Mange! C'est moi qu'on me force à bouffer des légumes. Non, pas de la verdure, pas des trucs bio, non. C'est quoi ça? Insérer une blague sexiste ici. Tuer dans un rêve, ça compte comme un meurtre? Non. Bah vas-y, bute-la alors. C'est elle qui l'a agressé la première. Hein. Oh bordel. Louche. Il y en a des claques. Soy une crêpe. Petit gel vert qu'on retrouve comme dans le vin. Uniquement pour des besoins de lubrification. Non, pas besoin. Oh la gueule. Vas-y, rapproche-toi et mets-toi à côté. L'assiette elle est pleine en plus. Je sais pas ce qu'il bouffait, mais déjà ça avait l'air dégueulasse, mais voilà la gueule du mec quoi. Sans déconner, c'est quoi ce qu'il y a là? Mais avec tout ce qu'il y avait là-dedans, ça aurait pu amortir sa tête. Il faut reconnaître quand même que malgré qu'elle lui ait éclaté la tronche sur la table, il n'y a aucune trace. Rien du tout. C'est lui propre. Ouais. C'est mignon. Comme c'est mignon. La chambre idéale. Ouais. Avec une déco de qualité. Ouais, canon. Ça, c'est pour les aliments, pour ceux qui savent pas. On a mis un peu et ça fait exploser le goût dans ta bouche. Ça remplace la moutarde. Tu sais, t'avais juste à sprinter sur la porte, il le faisait automatiquement. Ouais, on est tranquille là. Non, il faut vraiment que ce soit toi qui ait décidé d'appuyer sur le bouton, c'est ça? Je sais pas. C'est rien, t'es près de Los Angeles. Tu fais ça en vrai, ça marche pas. Hein. Non, mais je suppose que le couteau doit être super lourd parce que déjà, vu comme il galère à le lever. Merde. Ça marche pas. Non, il y avait, tu comprends, c'était du bois, mais avec cerclé des. Sur les arêtes, il y avait un peu de fer, donc du coup, tu pouvais pas péter. Ouais. Union. ça me bien un cerveau, ce truc. Ouais, ouais. Dégueulasse. Ils font genre que c'est un arbre, mais non. En fait, c'est une palourde, là.
quoi encore? Lord Minos a rejoint la partie. O'Neill, bouge. Bon, ben... Ça t'a pas de chance. Je crois qu'il a bouffé. Je suis pas sûr. Des agents de Mobius. Donc ils sont pas tous morts. Ils sont partout. Ah. Je vais devoir entrer là-dedans. Ah, t'as décidé de tous te les faire? Non. C'est eux qui ont décidé de me faire. De te faire quoi? Vas-y, bute-le, mène un chier, vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? Faye du bas, mais fais ta putain de faye du bas, j'y crois pas. Je me casse. Il est en mode facile avec la mise assistée. Qu'est-ce que tu... Eux aussi apparemment. Je retourne chez moi comme une merde. Au secours. Pardon. Dégage. J'y crois pas. Oh putain. Oh, t'as pas le droit. T'as pas le droit à faire ça. J'ai tous les droits. C'est moi l'invité. Oh, de base, ça devait pas se passer comme ça. Oh putain. Ah, j'ai mal aux joues. Je sais pas ce que t'as foutu, mais c'était énorme. À la base, je voulais juste niquer quelqu'un, mais ça s'est pas passé comme je voulais. Il va s'attirer tout le monde sur la gueule, quoi. Et toi? On t'a dit discrètement. Il a réussi à crever dans le didacticiel. C'est officiel, t'es plus fort que moi. Bon, moi j'arrive à crever quand il n'y a plus le didacticiel, quoi. Encore une. C'est bon, vas-y, 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 de toute façon, tu étais au clair. Je crois que t'es le seul mec au monde à rater cette phase, quoi. Oh, putain. C'était pas prévu. C'est pas comme ça que je voulais faire, à la base. Ouais, t'as voulu trop speeder, donc du coup, là, tu t'es foiré, quoi. Je suis désolé. J'espère que ça tiendra. Oh, l'erreur est humaine. Ouais, l'erreur est humaine, y'a pas de soucis. Ouais. Ah. Arrêtez, n'approchez pas. Change ton nom, hein, okay. Appelle-toi Bélil. Calmez-vous. Ne tirez pas. Je ne vous veux aucun mal. Vous voyez? Vous pouvez baisser votre arme. Nous sommes dans le même camp. Vous n'êtes pas de Mobius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais ça veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Mobius. Mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors? Ce qu'elles peuvent faire,
Ouais, je suis au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. Il a le dos dans mon rang. Juste un agent de sécurité du Nyon. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on me paye pas assez pour mourir ici. Je suis pas un soldat. Juste un technicien. Je sais. Arrêtez! Ou je tire! Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. Bon, allez, on recommence. Je m'appelle Sebastian Castellanos. Moi, c'est O'Neill. Liam O'Neill. Alors, vous ne faites pas partie de Mobius, mais ils vous ont quand même envoyé ici. Pourquoi ? J'essaie de retrouver... J'essaie de restaurer le noyau. La différence entre celle de dialogue Bethesda et la cinématique est flagrante. Je vais juste attendre ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui Lily ? Écoutez, nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider ? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça, c'est une planque, alors je me planque. Vous pigez ? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqué. Tenez, écoutez. On dirait une petite fille, pas vrai ? Silence. C'était elle ? Le noyau ? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivé, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça ? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un œil quand vous serez sorti, vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais. Synchroniser vos montres plutôt. Ok, si vous voulez. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà ? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Mais merde, j'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça ? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque, mais là, on a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champ stable, mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champ stable ? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous devriez pas être au courant. Vous étiez 5 dans votre équipe ? Quand on est arrivé, il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider, mais oui. On est 5 dans l'équipe de sauvetage. Attendez, vous avez dit étiez ? J'ai trouvé Baker. Il est mort. Depuis le 7, oui. Pas étonnant. Il avait trouvé un signal puissant et il voulait voir ce que c'était. Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre nos résultats et que notre équipe se chargerait du sale boulot. Mais il voulait rien savoir. C'était le chef d'équipe. Il fallait toujours qu'il joue les héros. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Ouais. Sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté. Pensez ce que vous voulez. Je dis pas que je suis content qu'il soit mort. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés. J'espère que les autres vont bien. Ce jeu d'acteur. Je serai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça ? Merci. Je vous en serai reconnaissant. Je pensais pas que ça serait dangereux à ce point-là. Vous savez où je peux trouver des armes ou du matériel ? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal, mais vous avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout ouïe à présent. J'ai capté les transmissions de 2 agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez, quoi, je suis tout seul ici, j'ai besoin qu'on me protège. Fallait peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon. Je vais marquer le signal sur votre communicateur. Suivez-le ou suivez-le pas. Je m'en fous. Ces choses sont plutôt robustes. Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart. Vous avez rien de plus puissant ici ? Pas ici, non, mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible,
Mais qui dit Mobius dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu? C'est pas mal le bordel là-dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes. Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile, à côté d'un blindé abandonné. Je vais vous marquer où il se trouve. Faites gaffe. L'endroit grouillé de ces choses. Bon, mais voilà, je crois que pour une première vidéo, c'est pas trop mal. J'ai terminé en bonne. Ah bah ouais, y a pas de souci. Tu t'es bien foiré, ouais. Oh. Comme je l'ai dit, l'erreur est humaine. Comme vous pouvez le voir, hein, c'était ma partie à moi, mais bon, c'était la partie test, qui a duré 2 heures. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. A plus. Tchuss.